Compatriotes haïtiens frères sœurs, bonsoir. Premier ministre Garry Conille à toute équipe liée au gouvernement, dans quatre démarches que a entreprendre pour montrer peuple haïtien gain un niveau de transparence dans ça y a réglé. Et bien matin là bonheur bonheur et PM nan li fourré botte descend liel nan pied li, li foulé béton en côté le commencer yon campagne médiatique. Dans cadre intervention premier ministre li t'a pral fait yon déclaration. Côté premier ministre, li fait qu'on est c'est deux façons apprendre qu'on est la vie. Un, c'est dans marcher chercher. Deux, c'est dans chita tendre. Mais il y a une seule différence. Marcher chercher pas jamais dormi sans souper. Non sans ça, compatriote haïtien frèchem, premier ministre qui pour première fois li aborde plusieurs grands points. Puisque nous connaissons depuis le conseil présidentiel transition yo installé, yo fait pays en connaît dans programme yo dans agenda yo, yo gagné plusieurs gros chantiers parmi yo sécurité, élection, les n'a parlé de élection, nous un référendum, changer constitution, yo gagné chantier politique, yo gagné chantier et assainissement, travaux publics, yo gagné chantier médical et santé etc etc. Parmi tout grand chantier sa yo que conseil présidentiel transition en tête collé à premier ministre Garry Conille yo commencé travail sou yo, c'est pas tout peuple haïtien, c'est pas toute population haïtienne qui réceptif par rapport avec des manches qui tombent par rapport avec sa gouvernement ak équipe yo prend comme priorité. Pas de doute sur ça, à l'unanimité préoccupation ou bien priorité puis gros besoin peuple haïtien, principale préoccupation paysan, principale préoccupation peuple haïtien, li pa l'autre bagay que sécurité. Et bien pas caché di nou premier ministre Garry Conille ak ekip li ki sou pouvoir kap coupé raché, semblerait-il yo pas partagé même préoccupation ak peuple haïtien. Puisque dans le cas d'intervention premier ministre, li partage avec pays qui pi gros peur li genye. Qui pi gros peur premier ministre Garry Conille genye pour 7 février 2026. M'pral permet ou genye tout détail yo. Mais déjà faut moi di nou, premier ministre Garry Conille ak tout équipe li et également conseil présidentiel transition yo en face yo réalité. Et réalité ça qui gagne devant yo a et bien gagne cinq raisons qui ka mené échec premier ministre Garry Conille gouvernement y compris conseil présidentiel transition wa. Qui ça cinq raisons si la yo ye, qui ça cinq causes a yo ye, nous pral ba ou détail mais yon l'autre bon faut nous dire tout premier ministre Garry Conille li gon bataille politique enragé féroce chez manger chez la mener sous terrain en tout. Même moun sa yo ki en dedans conseil présidentiel transition, n'a parlé de conseil président yo. Nou genye représentant parti politique ki voye moun nan conseil présidentiel transition. Nou pral ba ou autant de formation, nou pral partager détail yo avec ou pour nous aider à comprendre pi bien. Maintenant tout ça nou pral genye pour nous tande pour nous partager ensemble avec ou là. Gen un point qui est extrêmement important. M'pa kache di nou gen un pile réaction pas bon côté un pile zami qui nan diaspora. Comment fait premier ministre Garry Conille depuis l'el quitté Haïti 12 ans après, li rentré vin prendre tête primature, li passé tout temps ça dehors pays, nous te ka même considérer comme fait partie de diaspora haïtienne non? Et PM nan l pa di yon ti mot ki konsène diaspora yo, li pa touche anyen ki gen pouwe avec diaspora yo. Alors que $1.50 diaspora nan FNE, c'est l'argent sa kap grossi kes l'état, c'est l'argent sa ou paquet autorité nan l'état ap gagote. Eh bien, nous pral genye tout détail. Déjà, nous pral commencer avec entrevue que premier ministre Garry Conille lui-même l'était gagné matin là
Dans Radio Caraïbe, nous prenons le débat sous lit et nous prenons donc comprendre puis bien 1, 2, 3, 4, 5, qui ça, c'est cause ça y est, qui ka, si Premier ministre Garry Conille pas fait toute diligence possible, qui ka mené à échec gouvernement et même à échec transition. Donc, nous prenons l'attendre tout détail. Nous n'avons pas aucune illusion sous défi, nous comprenons que le moment tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timonio. Nous avons suivi les données, nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment est venu pour nous capables d'offrir service. Nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à M'ka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Je souhaitais que nous avons l'occasion pour nous parler de ça un peu dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant et que peut-être que nous n'avons pas souligné suffisamment. C'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique qui a gourmé entre eux depuis des années. Pas jamais quand Antonio hein, Soin arrivé à battre un consensus autour d'une structure de gouvernance côté eux tous qui ont participé. Ça n'a pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça a eu arrivé Antonio, son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, et arrivé faire confiance à un monde que n'a pas qu'on empile, et au mandé pour qu'imbé neutralité ça, pour le capable des pays à traverser transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti une nécessité pour un monde pour devenir, comment est le job là? D'abord, je ne suis pas tellement un job pour te dire honnête. Je suis vraiment un engagement personnel. Et pas gen, nous avons 600 000 personnes qui sont déplacées aujourd'hui, qui quittent Kayo, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié population qui a une insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons une gang qui contrôle 80% du pays. Et c'est seul pays ça nous avons. Nous avons une économie pays qui a détérioré. Nous avons un secteur privé qui a crasé. Nous avons 150 000 plus qui partent en Biden. Pays nous en Haïti, dans situation côté l'ap sombre. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter main forte. Maintenant, nous ne pas attendre à ce que nous avons un gros succès en 2 semaines, en 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâches. Là, la seule chose que moi-même, Kabay, auditeur, garanti, c'est que nous n'avons pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien, pour nous capables pas jamais tourner dans la situation que nous avons avant. Au départ, oui. On n'a pas dit, depuis, on n'a pas regret que tu aies quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à gagner un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a la perception qui était ouais, autant pour un premier ministre Medine Washington, en ce sens que vous avez été imposé au conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a l'autre monde qui pourrait l'estimer, bon, c'est M. Koney avec l'équipe Lé qui a essayé et utilisé un stratagème pour le cabre monde. Donc, il n'y a aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne pas tellement comprendre la question. La question, c'est que, de la perception, il y a monde qui te croit que M. Koney, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé au conseil là. Pour que ces blancs t'aient imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle, comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussions avec intéressés, secteurs, qui font plusieurs conversations avec nous et avec un pile d'autres monde, sur vision, nous, sur comment nous voyons problème insécurité, comment nous voyons transition, qui contribution à nos cabayes, qui dénient. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunissent 3 monde de qualité. Digital par là avec eux et sous base conversation que gagne ils font choix. Donc moi-même personnellement pas au courant et pas comprendre non plus que conclusion ou perception hein, son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne tout comme constitution conseil présidentiel là ton décision haïtienne, c'est haïtien qui choisit 9 membres. C'est haïtien qui choisit en ce moment là constituer gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis avec un exécutif bicéphale, comment relation Garry Conille comme Premier ministre avec le Conseil présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle
président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation liée? Merci Johnny pour cette question, c'est importante. Pour moi, même relation aussi prévisible que le TKE. Ou mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, fortes personnalités, avec des visions propres de comment il y a pays, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, gagne des intérêts politiques. Donc, l'homme mettez tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous gagnions des moments côté notre challenge une lot. On a discuté avec conviction, on a voulu pousser point de vue nous sur un point ou un autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas de précédent pour ça. C'est la première fois que le gouvernement a monté en 1 semaine. Donc là, on dit ça nous fait en 6 semaines. Soit on regarde de manière historique, en 6 semaines, c'est le gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence, nous montons le gouvernement en 1 semaine. Nous changer chef la police là en l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons nous jeudi à la sous une série de directeurs généraux rapidement. L'avancer sur de feuilles de route qui définit exactement ça nous va le faire pendant la transition. La finir avec une série de décrets qui pour banon l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, sous gardé bien pas jamais entendu le soin, mais qui jeudi a fait le grand pas, le grand sacrifice, parce que tout le monde comprend que le pays est en danger. Et sous gardé le perspective, ça a peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et là, est-ce que c'est vrai que gagné le nous chiter ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous? Mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrive dans le travail, nous, pour qu'il y ait des apports, des divergences. Absolument, et c'est prévisible. Mais nous mettons sous un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortit de perspectives différentes, qui sortit d'orientations différentes, qui sortit de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents, et que vous avez systématiquement entendu sur tout le bagage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité, ça. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective parle, mais que en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher contre consensus là. Et moi-même, qui a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre relation ça hein, qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la caille conseiller Gilles et gain pile parole qui a parlé version pro qui s'allait pas sûr de qui soit fait référence mais nous sommes premier ministre et un président un conseiller présidentiel invité la caille côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondons présents. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand on président, on conseiller présidentiel avec le premier ministre, comme je suis sûr qu'on comprenne, c'est bon, bah, que j'aime bien de me discuter. Non, mais l'État va voir. Oui, bon. Qui s'est aperçu. Non, version BM, là, c'est que il a été reçu par le président Gilles chez lui, avec d'autres présidents et d'autres invités, et c'est tout ça seulement qu'a dit. C'est bien. Je ne commenter son ni bien ni mal, je suis un président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte, ça, vous comprenez que c'est bon, là, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapportée et sous rapport là, il y a des gens qui dit est-ce que PM là, t'es obligé à un type de rapport comme ça, par rapport à ça, il y a un rapport qui est discuté, par rapport à ce rapport là, t'as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important. Puis on était qu'à discuter. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui disent donc il n'y a pas de nécessité. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité au premier ministre à Cali, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Là. Oui, je respecte ça, son perspective. Mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour coûter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi. L'opportunité pour Chita, pour discuter de pays, pour discuter de. Pour joindre un consensus, pour mener mon avant, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prenons ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, ce n'est pas seulement comment nous parler approcher gagner, il y a un défi, c'est Kembe coalition ça. Qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale,
li absolument important pour nous kembe coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous pas avancé en même temps, pour nous assurer tout que gouvernement transition pas gen force côté. Li pas long sens ou bien long l'autre pour que pas gen les groupes qui senti lésés. Parce qu'autrement nous aller vers l'échec. Donc chaque fois nous ça fait d'ailleurs ouais, nous fait effort de continuer à rencontrer secteur yo. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous gagne avec extraordinaire. Perspective sur comment on a pas avancé côté accord 3 avril là est extraordinaire. Espace de dialogue ça que m'obliger maintenant lui essentiel à succès transition. C'est bon bah on peut mettre de côté et qu'on a décidé du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur que tout simplement on va pas laver encore. Particulièrement le son président qui invite au venir de faciliter dialogue et discussion. Nous. Bien, là, on a fait un petit copé, Premier ministre Gary Conille. Et c'est à partir de là tout, nous pral commencer à discuter, nous pral commencer à venir avec diverses approches. Pas oublier dans le commencement de l'émission, moi dit gagné et 5 raisons ou bien 5 causes, c'est pas limitatif, ou ka juger gon 6e, gon 7e, gon 8e, etc. etc. 5 causes ça yo pral défini, 5 raisons ça yo pral défini. Peut-être ça qui a mené échec équipe qui sous pouvoir, échec gouvernement transition, échec conseil présidentiel transition du même cours. Pour qui raison? Nous avons remarqué que Premier ministre Gary Conille lui vraiment été attaché avec diversité qui gagne en dedans conseil présidentiel transition. Le n'a parlé de diversité, diversification. Ou ap gade ces diverses catégories structure politique moun ki pa konn antan yo moun et chaque structure politique sa yo chaque parti politique sa yo gon intérêt politique moun yo sorti non chapelle politique ki yo même par rapport avec prochaine élection yo gon façon yo wè gouvernement yo gon façon yo wè pays yo gon façon yo wè pouvoir donc tout ça rentre en ligne de compte et première raison attendez bien oui moun yo ki ka mené. Si Premier ministre Gary Conille li pas assuré pour le faire travail paysan et c'est essentiellement exclusivement travail paysan li fait, eh bien bagay yo ka mal, bagay yo ka grave. Premier bagay lan c'est le fait que gagner trop redevance. Gagner trop, il y a trop de redevance. Étant donné nous gagne un conseil présidentiel qui gagne 9 membres là-dedans qui sorti au chaque d'horizon politique divers. Ça a sorti Petite Dessaline, Famille Lavalas, Montana, Ederet Compromis Historique, Collectif 30 Janvier, qui est ça quoi? Nous gagnons rien, nous gagnons Société Civile. Si vous voulez, vous mettez. Au total, nous connaissons 9 personnes qui constituent le Conseil présidentiel transition. Nous gagnons encore 21 décembre. Donc, dans les faits, chaque groupe politique ça yo qui vini, chaque structure politique ça yo qui gen membre yo, chaque coalition politique qui en dedans conseil présidentiel transition. Premier étant donné que yo choisi premier ministre pour le prendre tête transition, pour le prendre tête gouvernement qui pral mener transition, déjà quelque part nous fait expérience déjà dans monter cabinet et premier ministre, dans monter gouvernement etc. Nous, ouais, quelque part, gagner redevance li tellement palpable, bagay yo tellement cri, bagay yo tellement visible devant genou, et tel besoin tel ministère, tel besoin tel ministère, tel besoin tel ministère, tel besoin tel ministère. C'est un gros point, Premier ministre Gary Conille, il était monté jusqu'à ce que lui-même lui dit, ministère régalien yo, li pa bay yo, la fait fusionnement, et pour le kamene en politique d'austérité, la fait ceci, la fait cela. Étant donné, idée à conception, il était très bien accueilli dans la population. Conseil présidentiel transition, qui pas voulait à l'époque pour le dos à dos avec la population, pour le peuple pas gêter comprendre et ouais, je vais te mesdames, comme quoi négocier poche, vous plaît, ils obligé chercher un consensus avec PM Gary Conille, entendre sur le fait que les ministères yo fusionné, yo réduit le nombre de ministères sur so 18 descendu à 14, mettez campé des ministères sur portefeuille, etc. etc. jusqu'à ce que le gouvernement premier ministre l'y installe. Mais on nous garde la réalité. Pourquoi n'y a pour choisir directeur général yo? C'est toujours même redevance, oui, c'est toujours partage gâteau, c'est toujours tel secteur que t'es voyé ministre, mette tel directeur général, ainsi de suite. Donc, étant donné chaque groupe a cherché intérêt politique, chaque parti, c'est intérêt politique
intérêt chapelle politique pas living défend. Donc le temps pour nèg yo ta accorder violon yo pour yo faire intérêt pays, intérêt peuple à passer en avant, la gagne trop tard. Donc si on dans le conseil présidentiel transition, yo pas chercher véritablement yo consensus, yo pas chercher faire intérêt pays à passer avant toute bagaille, sans que nèg ça c'est pas poche. Sans que ministre ça c'est pas intérêt et chapelle politique parle, c'est pas intérêt petit groupe parle la défendre, eh bien c'est rester premier ministre apprêté la poue et toute chaille politique là sous dol parce que c'est ligue gen gouvernement nan mel. Mais au final le fait que gâteau a séparé, le fait que tout monde besoin petit morceau, eh bien y a prêté y a séparé gâteau entre yo et peuple pa joine rien. Donc trois points d'avance, trois chaînes gâté réveil, c'est comme ça grand moun yo kon dil. Donc trois points d'avance qui gagné par bon côté conseil présidentiel transition, eh bien c'est premier raison qui ka nuit à bonne gouvernance, à qui ont bonne démarche que premier ministre Garry Conille avec équipe peut-être t'a gagné vision pour yo faire pour yo mener pays. Donc c'était quatre raisons encore en nous avancer, en nous continuer dans des PM et puis après n'a continuer et partager raison. On a certain c'est pas et des ma dialogue là que observateur qui relativement avisé t'a suivi au gagné et c'est pas problème ça au gagné, mais c'est par rapport à ça discuter parce que et on devait dire sous problème pays ça gagné, est-ce que on premier ministre canal discuter comment pour partager pouvoir, comment pour ba job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça ou demander engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que des bagages qui répétaient ou quoi que n'a demandé, est-ce que tu as une nécessité pour premier ministre avec un responsable parti politique ou bien groupement politique qui voulait monde dans ce pays là tu es obligé d'arriver là. Donc c'est ça préoccupation pas que c'est démarche dialogue là qui problème. Johnny Yolier, à quoi 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de parti qui est impliqué là encore. C'est ça lié, c'est ça qui fait ouais que ces secteurs avec CPO qui participent activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base à quoi 3 avril là, et nous-mêmes comme premier ministre qui sont censés avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que bah il va pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoulali essentiel pour gagner tout partenaire qui est impliqué là encore ensemble avec coalition. Ça sont nécessités politiques, pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc dialogue ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre question conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, quand ça a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition lui-même a commencé à effriter, garantit ça que nous gagnons. Et que population a acheté, Johnny, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Population a un espace ça, pour qui ça? Parce que lâchons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques, ça a engagé pour qu'un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et nous avons gagné un compromis ça, c'est le Premier ministre ça. C'est pour ça qu'on va avoir un Premier ministre qui soit sorti dans le secteur ou dans l'autre. Donc, garantie que nous avançons main dans la main. Et long président, il faut que nous continuions à main dans la main avec la coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril, là, M. Garry Conille, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? L'accord 3 avril, là, c'est base structure de gouvernance. Ça. C'est un document important que moi, j'ai beau tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément dans le type d'accompagnement. Ça. Donc, certainement, c'est une référence importante et essentielle pour nous dans le cadre de transition, il n'y a pas de doute. Et il faut que moi tout profiter de souligner pour même cap garder ou même cap tendre que l'accord 3 avril, ça, que le Premier ministre Garry Conille a parlé de lien, et bien jusqu'à présent, depuis l'installation du Conseil présidentiel de transition à nos jours, l'accord ça, il faut que j'en publie, ok? Il faut que j'en publie dans le journal officiel Le Moniteur. Donc, il y a un ensemble de prescrits, un ensemble de dispositions qui sont dans l'accord là, et dans différents articles dans l'accord là, et bien que. Yo pas respecté yo véritablement, yo pas respecté le conseil présidentiel transition, pas respecté yo fait affaire pa yo nan façon et pa yo, et m'ai l'impression c'est ça qui fait et gagner toute lenteur ça pour yo arriver et publier accord 3 avril là depuis l'heure yo installé et dans mois avril passé, avril, mai, juin, juillet. Donc 4 mois depuis et conseil présidentiel transition installé accord qui bail naissance avec
avec comment on te dit ça accord qui permet fonctionnement qui permet toute disposition prendre de transition ça et bien accord là pas ni publié et il a violé accord si là constamment donc pas jour pas de connaît OK on bosse il y a qui dit non accord ça et bon ouais jusqu'à présent qui quand même soit pas respecté ou pas sous respecté par exemple voilà. Une divergence comme journaliste nous gagne et comme information tout qui gagne non question à quoi ça c'est que côté dans quoi il dit il était prévoir pour ces SCP qui gérer question directeur général etc. Et je dis à on sous proche CPA faire comprendre que il pas que toute l'attitude ça vrai et que obligé dans négociation avec primature pour comme on a changé tel DG comme on a remplacé etc. Est-ce que vous pas comme ça non, si à quoi tu as prévoir toute bagarre pour ça pas juste appliquer le fil en fait à quoi et constitution prévoit comment pour DG ou non mais. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que MAP changé ou MAP nommé directeur général ça. Donc, la Constitution lui-même prévoit que le Premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour jouer dans le cadre de sélection directeur général. Conférence avec le chef de délégation kenyan, dans le micro RFI également, lorsque Washington dans le PM, où tu n'as pas écarté possibilité pour que tu aies un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne les âmes dans le pays. Ou peut-être tendez, il y a plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça? Est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous a dit que nous prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous sommes même sous la prison. Sauf les dialogues, parce qu'on bon bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye. Une fois que le système dans l'État reprend l'autorité, on est obligé de retrouver. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, quand il faut en oublier, selon le chiffre nous-mêmes, nous gagnons 50% de monde qui l'a gagné, c'est Timounioué. C'est mineurs. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous bayons chance tout pour comprendre que nous une alternative pour nous, sous 12 ans. Sous gen 13 ans, fok ou gen le sentiment que bon, l'État ka pari pour le comprendre côté gen circonstance. Fok pour le comprendre que la pche changeant pour le réintégrer dans la société. A. C'est 50% de 50%. Donc, le m'a parlé moi-même. M'a parlé exclusivement pour mon Noël en radio, mon café vidéo. M'a parlé parce que m'a une bonne compréhension de ça qu'en face non, et de ça problème non, et. Mais le message était très très clair. Moun ki victime yo, il faut que yo gen justice et il faut que yo gen réparation. Pas qu'il n'y a aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il n'y a paix sans ça. Les gens qui ont des âmes, pas qu'il n'y a des âmes sans ça. Mais point qui est plus important, j'en nous a jugé les 6 semaines depuis là, nous, ouais, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour me capable assurer moi que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté qui est dans le territoire. Et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous apprenons dans ce sens depuis quelques temps. Alors, mais plus explicite sur le mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale, yo, et puis il rentre dans la base, yo, et puis là, ça, nous dit bon, nous parlons. Garder est-ce qu'il n'y a pas la kyo ou bien déposer ZAM vle di carrément remettre ZAM au mécanisme là remettre ZAM déposer ZAM vle di ça déposer ZAM vle di ça veut dire pas rien ZAM là encore et deuxième là tout aussi important que première qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État c'est la police, l'État c'est la justice, l'État c'est le ministère de l'Intérieur, l'État c'est les structures de l'État. Donc second problème avec la justice, on rentre toi la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice à examen en amont, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Bon, bon, il faut que PPM qu'on y là. Parce que, je sens que, qu'est-ce que PPM
Abdila qui vraiment pour moi personnellement qui pas fin gen trop sens parce que premier ministre chaque prise de parole li fait dans question dialogue nèg ak zam yo mande an c'est déposer zam reconnaître autorité de l'état et puis après on verra tout ça mais comment on pral mande et c'est là tout nous pral comprendre. Deuxième raison qui a mené, qui a abouti avec échec, équipe qui sous pouvoir, c'est méthode par tâtonnement. C'est comme si c'est tâté terrain. Déposer zam ou reconnaître autorité de l'État. Ou est la PM déposer zam, ça veut dire. Mais là, nous avons fait plusieurs considérations. Déposer zam, est-ce que CNDD a pral intervenu dans des marchands pour récupérer zam za yo? Ou bien c'est déposer zam nan tout zam bébé pa gen coup de balle qui pété encore donc qui ça véritablement déposer zam nan ou bien est-ce que c'est la police qui pral fè nèg yo déposer zam ou bien qui pral récupérer zam ou bien pa konnen parce que là nous pa ka continuer à prendre problème sécurité hein, pour nous essayer résoudre li de manière et comme si c'est tâtonnement n'a fait n'a résoudre li par tâtonnement n'a pleuvé puis on s'a metté là n'a pleuvé puis on s'a metté là n'a pleuvé puis on s'a metté là et là on parle de dialogue tellement gagné plusieurs approches ou qu'a fait par rapport avec déclaration premier ministre Garry Conille ou a demandé tout véritablement est-ce que équipe qui sous pouvoir est-ce que gouvernement yo prend réellement en considération yo prend et en connaissance de cause pour abandi yo gen nan balance pour abandi yo gen souterrain l'homme on nèg déposer zam alors que zam nan ki nan men lan c'est avèl pour le défendre tête qui l'a le déposer zam reconnaître autorité de l'état qui l'a le déposer zam comment l'a le déposer zam il va le déposer zam pour nous vinn touye yo comment il va le déposer zam nan là si c'est l'état qui pral récupérer zam yo si c'est l'état qui pral marcher prendre zam yo là c'est clair que ou font déclaration qui pas prêté à équivoque tout le monde comprend aujourd'hui etc etc mais l'autre déposer ça reconnaître autorité de l'état non PM en pile monde flou et c'est ça qui fait toujours bon porte ouvert qui dit que gouvernement paraît pour négocier avec bandi parce que ou pas clair méthode tâtonnement ça pour nous résoudre question insécurité à question gang non pour moi personnellement li pas privé pour tes résultats et d'autant pas gain sécurité nous pas avancer sur aucun l'autre projet en dedans pays. On nous continue à être des PM. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête tout. Ça veut, son l'autre aspect ça. Non, ça veut dire que c'est remettre armes ou gain dans mon là et puis on une nuance qu'on voulait faire que peut-être que moi-même pas tout à fait qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre parce que pour moi c'est assez clair. On démarche. Démarche c'est que sous disposer suspendre faire son affaire. Rete ou comprendre que le pas bon pour vous, le pas bon pour pays, le pas bon pour maman ou papa ou soeur ou frère, le pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais des manches que les qu'on fait. Je veux qu'on remette ça à mon gars et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le vin chercher. Et le ça, le pas bon pour vous, le pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à comprendre que soit fait assez détroit de ton pays, si je dis à comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rende compte, et ça arrive, qu'on rende compte de l'effet que ça a sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas faire encore, mais dimanche là. Ça prend combien de temps? Nous disons qu'il y a un mois, il y a deux mois pour faire ça, il y a un an. Belgré pour nous. Entre temps, depuis six semaines, on n'a pas organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous. Pour nous arrêter, et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne pouvons pas camper dans tant de personnes. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, venir le arrivé, premier côté malé, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, moi, quand on jeune, qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois, et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital, parce que pas à l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière et zone métropolitaine sont détruites. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je baille mon accès à un service de santé.
En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Nous avons bien pour nous tourner sur ça, nous avons tourné sur ça, nous avons fait 8 heures. C'est l'État pour reprendre le contrôle du pays, caille par caille, et quartier et par quartier, ville par ville. Très récemment, nous avons déclaré l'état d'urgence sécuritaire sur le pays. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons sentir rien véritablement comme suivi, sinon. Bandio continue à piaffer, notamment dans Gantier. Nous avons expliqué ça la matin. Côté bandit prend contrôle commissariat, machine boulée, élève 9e année perdu. On joue un examen, supposé au courant. Grissier, c'est vrai, on dit la police a fait des interventions, mais toujours est-il des territoires ou bien des espaces qui en bas contrôle bandit. Carrefour, dans le moment où on a parlé là, pas de policiers. Et nous avons expliqué que surtout toute la sortie portail et organe pour arriver dans n'importe niveau sur le national numéro 2 avant région des Palmes, l'État presque absent. Est-ce qu'il y a un paramètre et ou pour mesurer l'autre fait annonce ça ou bien et la population devra encore attendre? Johnny, moun yo fatigué. Moun yo gen plusieurs années là, y a vécu une situation inacceptable et yo commencé à impatienter, c'est légitime. Donc on pas venir chita là pour m'ba aucune excuse, ça y a besoin ces résultats. Yo besoin ça tout changement dans vie, yo besoin suspendre soeur yo, maman yo a violé par gang. Yo besoin ka retourner la caillou, yo besoin ouais pour manger des san. Yo besoin ouais et au cas dans province le ouvler donc on va pas le chita là pour me bailler au monde ni excuse ni explication qui à mon humble avis pas aider même qu'à tout un ensemble de choses. La première c'est qu'au sortant des colonel Rebut dit là expliquez comment que tout système là incluant solution accompagnement blindé système la police là inapproprié système ça a mérité c'est lui me joindre et pas ta changer dans 6 semaines. Nous sommes des experts, disons que toute structure, toute approche, là, toute stratégie, tout élément, n'est pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est l'héritage ça, que nous avons. C'est l'imjouen que nous avons essayé tranquillement avec des Géramos, changer, ranger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Ma propre blonde, et m'a aidé à me rappeler aux auditeurs. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Salvador, président Salvador, il a monté en 2017 avec 300 quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que moi, sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que nous commencions un vrai progrès. Ni Jamaïque. Jamaïque, il y a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes. Nous ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie. Colombie, il y a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipement, beaucoup plus de qualifications. Il n'y a pas arrêté de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que vous ayez avancé. Brésil, je veux dire, Brésil, qui a presque 65 000 policiers et l'armée, il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, nous te dit, peuple, à tout l'adresse à la nation, non? Que son bail qui pourra le prendre temps, son bail qui pourra demander engagement tout le monde, et c'est pour un bail qui facile. Donc, nous obligés d'abord de faire état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, moi, j'ai 6 semaines. Mais chef de police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gars. Et la première chose que l'obligé fait, c'est ça, colonel Rebus, ce jour-là, c'est faire état des lieux. Gardez-vous avec votre capacité opératoire. Gardez-vous avec qui ça a en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement. Comment est-ce que le pouvoir faire alliance avec toute multinationale qu'il a eu? Comment le pouvoir organiser lui-même pour être capable, effectivement, avancer de manière irréversible? Et ou bien citer discours au début, hein, mais en citer tout, discours plus récent, côté que nous très franc en population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement de que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, je réunis tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Je fais une grosse réunion ce matin avec le ministère de l'Intérieur, m'inclut le ministère des Travaux publics, m'inclut tout secteur qui ont un lien, m'inclut APN, m'inclut la douane, c'est la, m'inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur s'est réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend
temps et qui est mise en place qui pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours risquent vie, qui tous les jours, l'autre jour, avant hier soir, nous parlons, vendredi soir, nous pas parler de ça parce que nous pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement long patrouille pour descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, ouais, en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme la ville, est excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on est arrivé en 6 semaines, et puis avec l'héritage que le colonel Rebut vient juste de décrire. Donc, on tendait, j'en le découle, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levait, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et vous ne pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chita avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer Wally de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé le service d'intelligence non, qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagailles que nous avons demandé international pour avoir accès à la technologie que nous n'avons pas gagné avant, qui permettent nous, l'un après opération, nous sommes capables beaucoup plus assurer nous que, un, nous minimiser l'impact collatéral, qui est excessivement important pour nous, parce que les gens qui souffrent suffisamment, nous ne pouvons pas souffrir plus. Et deuxièmement, tout, pas exposer les policiers, mais minimiser l'impact sur la police. Là. Donc, nous-mêmes, comme premier ministre, c'est assurer nous que, un, tout ça, nous avons besoin pour opérer, là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une clarification, une mise à disposition de forces qui peuvent intervenir. Et puis, nous avons rallié tout le secteur. Je vais vous donner 2 minutes pour me dire. Quand il y a un que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres, je suis là à me joindre que la communauté haïtienne a délégué la question de sécurité à la police. Comme si la police a fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Et mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, la dimension, ça concerne la justice. Li concerne les travaux publics, li gon voulait communication, nous pas réussi sans média. Li gon voulait information continue, li gon voulait participation communautaire, population gain rôle libre jouer. Donc là tout le monde chita en écart et puis wap tande ces police là pour résoudre problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier ça n'a pas essayé faire c'est rappeler tout le monde même en Haïti. L'un côté nous, ouais, nous gagnons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous gagnons la police seulement, nous gagnons parce que communauté, collectivité, l'autre agence joue au lieu effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagnons pour nous changer et que nous avons changé. À la seule distance, monsieur le Premier ministre, il y a un capitain de là qui a dit au nouveau chef qui l'a culté, vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème le théâtre. C'est vrai qu'il n'y a pas d'attendre des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire ah, même si nous rejoignons, nous en avons besoin, mais nous sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. La première méthode là, c'est que nous rentrons en toute humilité d'ailleurs, nous évaluer chef police qui était là, pour nous voir s'il a fait travail là, j'ai nous-mêmes nous une vision. Nous prenons des décisions que nous avons menées du 109, ce que nous faisons. Un nouveau chef de police a fait le bon temps pour l'évaluer, pour le faire évaluation qu'aux autres temps des colonels Rebut fait là. Pour le voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joint là, c'est hériter, nous hériter. Donc c'est d'abord pour nous, un, comment nous continuer l'opération pour nous protéger la population? Deux, comment nous réorienter la stratégie globale? Là? Trois, comment nous intégrer l'autre aspect de sécurité à l'agence qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Quatre. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous avons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas de policier là, mars que je vais chercher pour me faire descendre. Donc, il faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore, je trouve important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas de excuse, population aptonne, nous sommes obligés d'aller vite pour lui. Mais nous obligés d'aller bien pour lui. Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire une opération mal calculée et pour gagner 100 citoyens haïtiens, long communauté qui est blessée ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que je fais et que je ne suis pas bien planifié. Ou pas qu'on ait combien
blindé me gagne semaine passée comme même aujourd'hui a. Ou pas connait combien fusil sniper comme me gagne semaine passée comme gagne aujourd'hui a. Ou pas connait combien m'a bien demain. Donc moi obligé timer opération ça sur la base de asset que me capacité à équipe pour utiliser et ça nous pensait que n'a bien dans un avenir proche. Et effectivement parce que communauté a pas au courant de toute information ça yo, c'est normal que j'ai l'impression que bah yo parle très lentement, c'est tout à fait normal, mais vous attendez m'a prendre pour vous attendez colonel écrire tout problème qui gagne opération m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que mien, héritage ça pour me travailler et c'est à l'intérieur de héritage ça pour m'appliquer un peu la solution que elle a proposé là yo. Et ça les chers amis, c'est bon bah nous faire en 2000. Oh, nous faut camper premier ministre. Premier ministre Garry Conille, et dès le début, m'a toujours dit, c'est un bon communicateur. Je peux m'en plaguer là, je le prale là, c'est comme si, et, nous mettons prendre courage, prendre patience, nous avons une sécurité, nous avons pour circuler, juste pour 40 ans, bonjour dans le pays, venir rebâtir, venir reconstruire, venir famille. Garry Conille, gon jan la baye discours là. Nous ouais son bon communicateur qui a parlé. Le l'a parlé, l'a essayé convaincre, l'a cherché convaincre que ça qui a passé sous terrain, oui la police, oui et acteur yo doit assumer responsabilité yo, mais toute chaîne là pas reposer sous do yo même pour quoi yo pas faire etc etc. Mais troisième raison qui a la cause échec gouvernement, échec premier ministre Garry Conille qui puis à conseil présidentiel transition, c'est que ce chien. Premier ministre Garry Conille, li vraiment li accentué sous timing nan le nan façon yo pral mener opération, le gagne pour yo mener opération parce que li vle minimiser dommages collatéraux, risque de dommages collatéraux. Pas de problème d'accord, 100% 200% même d'accord. Faut qu'opération yo bien monté, faut que travail en fait bien pour résultat yo ka palpable, pour résultat yo et pour nous ka wè résultat yo tout bon. Mais premier ministre Garry Conille, nous pa gen temps. Est-ce que vous n'avez pas demandé yon moun kap soufri chaque jour nan chèr li? Yon goup moun ke bandi rentre nan quartier yon nan zon yon, même quartier promet ou pral reprenn kay pa kay, quartier pa quartier, ville par ville la, même moun sa yon, yon go semaine kote bandi sekestre yon, bandi a fè kade jak sou madame yon, sou petit yon, devant zye yon, nan combien de temps encore ou mette nan tête ou? La police, la médaille a kageta opérationnel pour aller porter moun sa yo secou. Oui, faut opération yo bien mené, oui faut opération yo bien monté, oui faut stratégie yo en place, oui faut gen 10, faut gen date. Mais nan combien de temps encore n'a ka kembe? Nan combien de temps encore n'a ka résister? Pour combien de temps encore n'a ka accepter cohabiter avec bandi yo bien pour bandi yo vini c'est yo ka fè nou la loi, même bandi sa yo a mandé reconnaître autorité de l'État. Et pas de blague. Nous avons parlé de gagner trop de revenus premier ministre Garry Conille à conseil présidentiel transition, ça a mené échec. Nous avons parlé de politique de tâtonnement que nous avons utilisé en matière de sécurité. Tente ça, dialogue avec Bandi, il y a plusieurs significations possibles et imaginables. Eh bien, ça, plus grave qui a conduit avec échec gouvernement, qui a échec pouvoir en place. C'est question échéance, oui, c'est question timing, non, oui. Yo prend timing nan, yo prend temps comme si temps yo gagne la porte yo ka monter volume temps, yo ka réduire volume temps, yo ka contrôler temps. Nous pas ka contrôler temps parce que peuple moun sa yo ka souffrir là, moun sa yo haïtien qui en Haïti qui besoin reprendre activité yo pour yo répondre à besoin famille yo, malheureux qui te konn al fait ti pénitence en bas la ville, qui te konn descend dans marché en bas, qui te konn descend dans marché en fait, moun yo te konn al kwa bo sal yo, moun yo te konn al bad lo pour faire bè bon l'hôpital général, moun yo te konn brasser la vie sous chanmans sa yo, pa gen luxe sa journée jodi, yo pa katen encore dans quelques mois là l'école c'est pral réouverture des classes. Combien de moun qui pral rete chita toujours qui pa ka scolarize, qui pa ka l'école? Combien haïtien qui nan diaspora qui yo même yo redi travail du neige pa neige fòk yo sorti al ponche pour yo construire un bagage en Haïti, pour yo monter un petit business en Haïti, pour yo construire caillou, tout l'argent pour yo ta prendre retraite yo faire bel ti grand moun yo investi en Haïti, comprenant que si yo ap tourné nan pays yo ap un nombre de temps. Yo pral vin viv nan peyi yo et puis yo mete yo nan kapé loin.
Yo ap gade kayo, yo ap gade tout sa yo te redi konsu, tout sa yo te redi fè, yo ap gade bout bak, yo ap la ite kol, kap pranvan nan kay lan, yo ap gade kat samarozo, lan mwa san jou vite lom, yo ap gade neg yo kap pranvan nan kay sa yo, koun ya, ki so pral di moun sa yo toujou? Ou pral di ya du tan, geta toujou, fon ti pose? Ki so pral di yon papa kap gade vagabond kap viole piti li matin midi swa, kap kouche madame ni matin midi swa? Ou pral di yo geta toujou? Oui, faut qu'il y ait des évaluations qui fait. Mais évaluation ça a combien de temps a duré? Évaluation ça a qui l'a fini? Évaluation ça a pour combien de temps a là? Donc question échéance, compatriotes haïtiens frères, c'est indispensable journée aujourd'hui si nous voulons ouais un bagage sérieux qu'a fait dans pouvoir l'état. Pas non youn nan moun yo la, pas aucun parti, pas aucun structure, aucun groupe qui ka venir là pour faire figure du pour yo venir dire pas connait côté yo t'a rentrer, pas connait terrain yo t'a monter ya. Que le CPT, que le gouvernement, tout te connaît, tout te au courant de réalité. Mais journée jodi si nous besoin résultat. Mon cher premier ministre, ou pas ka venir comme si a venir essayer ba mettre rendre nous coupables, donc bien essayer, pas connait, essayer rentrer dans nous-mêmes pour faire nous connaître si nous pas jouer pas nous, nous pas bien sécurité. Mais n'a payé pour sécurité là. N'a payé nous, n'a joué des privilèges pour nous rétablir sécurité, pour nous mettre la paix dans pays. Oui, population doit jouer le pas yo, si des bandits viennent cacher dans zone yo, alerter autorité la police etc etc. Mais 25 n'a payé NHS, est-ce que nous faisons déjà? Parce que nous pas connu bon policier, faux policier, vrai policier. Nous tellement de causes qu'a dit sous PNH ça, son bagage qui grave. Donc je ne jodi en li important pour nous comprendre responsabilité qui gagne hein, enjeu yo en pile. Donc faut que premier ministre Gary Conny, faut que équipe ça yo qui sous pouvoir, faut que yo connaît, yo gagne part de responsabilité yo et c'est pas dans parler. Nous fatiguer à parler, nous fatiguer à parole, c'est action qui pour faire, c'est action qui pral parler pour yo, c'est action qui pral parler pour équipe qui sous pouvoir. Et ça gagne environ 2 semaines où tu visité l'hôpital général ou parler avec la presse ou faire des déclarations. Mais pour pays a monsieur le premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour y aller dans l'hôpital là, soit pour aller bien pour aller prendre soin sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc je dis à la, pendant que vous faites ces choses à vous, monsieur le premier ministre, je pose une question ça. Qui le service a pour prendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, à faire l'hôpital ça, c'est un bail qui fait mal et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qui sont au monde d'accrasion l'hôpital. Je ne comprends pas puisque même si ou même sont en gangoué, maman ou gen pour malade, soeur ou gen pour malade, cousine ou gen pour malade, et comment le servir ou que le pari côté pour la laisser. C'est un pays côté moyen avec autant d'agressivité que moun yo détruit de l'hôpital qui en fait servit moun qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence pour l'hôpital général, Kadou, que l'hôpital général te recevoir 1500 moun par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent en privé, et vin opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que m'kado, que même dans les pays en guerre, que moi m'bah, ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly, à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, il nous prend les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. On va sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser périmètre là pour que moun yo ka sorti et vini. Et ça j'en t'ai expliqué tout à l'heure et j'en dit ça mandé une infrastructure, ça mandé une capacité que au fur et à mesure n'a mettre en place. Deuxièmement, tout m'pa bon menti, ça moi-même le même descend là, niveau de réparation pas obligé fait dans l'hôpital là en pile. En pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars et ministre de la santé publique là pour descendre avec toute équipe li. Et avec coopération internationale, là tout c'est une bagarre notable fait notable à Washington parce que nous avons besoin d'aide. Bon, et en fait, Premier ministre Gary Conny lui parlait sur plusieurs dossiers extrêmement importants. Et lui soulevait question économie, lui parlait sur la richesse, lui parlait et sur question santé, l'hôpital général et sur travail et qu'a fait au niveau de et ministère de travaux publics, tout ça. Et nous, nous venons réaliser qu'avec le temps, en transition, qui gagne
yon transition ki jounen jodi a la yon agenda ki sa se limite yon la pou an periode de temps bien defini et 7 février 2026 pou yon ale yon organize yon comment yon ap partager pouvoir 5 mois etc. M vini pa realize ke premier ministre Garry Conille et nan demarche conseil présidentiel transition a fè et gen trop chantier yo mete comme priorité. Le m'a dit gen trop chantier yo mete comme priorité. Nous gagnons pour nous faire élection. Transition yo pa rele transition pour rien, yo pa rele transition pour rien parce que son petit temps l'a fait, li gon intervalle de temps que l'a fait pour aboutir pour le mener vers l'ordre. Un ordre établi. Ordre établi, c'est gagner un président élu qui a l'élection, gagner des élus, magistrats et sénateurs, députés, etc., etc., de notre pays, un président. Donc, si chantier qui prioritaire là, c'est élection pour 7 février 2026 pour nous remettre pouvoir, nous qu'on n'est pas qu'à gagner élection sans sécurité, nous supposons prendre sécurité en considération. Toutes démarches qui t'a supposé à faire journée aujourd'hui, c'est des démarches qui t'a dû tourner tout autour de chantier sécurité. Mais le même garde, m'pas dit que nous pas besoin route, m'pas dit que nous pas besoin et pour gagner des travail et supplémentaire qu'a fait au niveau de route, faire structuration, etc. M'pas dit que yo pas supposé intervenir dans l'autre domaine assistance sociale, etc. M'pas dit ça. Mais nous ouais c'est comme si l'autre chantier ça yo plus à cheval sur yo que sécurité a. Parce que comme on pral di ou a fait route n'a travaille dans chantier route et dans plusieurs communes dans pays l'autre département gen route ka fait etc. et puis moun yo pa gen liberté pour yo circuler pour yo bénéficier route ça yo. C'est pas la vraie messie attends c'est pas correct. Si nous dit n'a fait programme assistance sociale pour nous aider moun yo. Même le grand programme n'a pour al bay 165 000 haïtiens ti chocho et chaque mois sous téléphone mobile etc. sous téléphone yo a voye ti kòb la. Même le ti kòb la rive joine moun nan. Malheureux te ka di si nous voyons 5 000 goud bali. Par exemple, te ka pran 2 000 goud la l'achete un ti zonyon, un ti lay, un ti girof, un ti magi, m pa konnen. Li mete non lay pou le promener mais pa gen sécurité. Pas de sécurité, si on y sorti pour 5000 gouttes achetées, 10 ripois et puis pour nous manger. Parce que sécurité a celle qui est prioritaire. Pendant que l'autre chantier, nous avons toujours pris en considération, nous avons toujours travaillé sur eux. Mais si nous pas pris en compte sécurité, eh bien, nous avons échoué. Toute l'autre démarche n'a fait pour l'autre chantier, yo, nous avons toujours abouti avec eux, mais autant pas de sécurité, pas de rien sérieux qui a privé résoudre. Donc, le fait que gagne trop chantier, que le gouvernement travaille, que le conseil présidentiel de transition travaille sous yo, dans ce moment-là, eh bien, ça défocalise vraiment priorité, ça qui est la principale préoccupation du gouvernement, eh bien, il a détourné vraiment, et il a détourné de principale préoccupation. Ça yo ta le fait de priorité yo pour yo montrer a bay satisfaction dans l'autre domaine. Donc ça sont l'autre facteur d'échec lié, ça sont l'autre cause, sont l'autre raison encore qui ka la cause que le gouvernement y échoué. Et nous gagnons dernier cause qui c'est contrôle du pouvoir, un contrôle réel de pouvoir qui concentré dans mes deux parties, dans mes exécutifs là. Que ce soit premier ministre, que ce soit conseil présidentiel transition. Là, nous pas gen parlement. Nous pas gen parlement qui pour faire un contrôle sur comment l'argent dépensé, sur comment l'argent décaissé. Nous pas gen parlement qui pour veiller est-ce que exécutif là pas outrepassé limite etc. Ça veut dire là gouvernement qui là que était au niveau de CPT, que était au niveau de la primature. Mes amis Mounio, excusez-moi si m'bra lagué le quoi ça, c'est pas c'est un coup son paquet petit cabrit lagué. Vous comprenez qui lagué là, yo a rentré dans jardin, yo crasé, yo brisé, yo fait ça yo vle, pas gon moun qui pral ka di yo halte là font ti campé nal trop rapide, nal trop vite, mais ça ne doit faire, mais ça ne pas doit faire parce que c'est yo grand moun tête yo. Yo grand moun tête yo, yo chef tête yo y a fait ça yo vle gens hôpitaux. Donc moi si c'est pour volonté, Garry Conille montrer quelque part yo gen volonté.
Li gen volonté pour l'état porter résultat. Li gen volonté pour l'état travail. Li gen volonté peut-être pour l'état mettre sécurité en dedans pays. Mais ces gens t'ai commencé, ces gens t'ai commencé émission pour me dire là, trop chaîne gâté réveil. Trop chaîne gâté réveil, trop poids, trop redevance. Trop redevance vis-à-vis de CPTA. Trop nèg qui besoin ti morceau gâteau pa yo. Nan moment nous rivé là face à crise sécurité a pas ka gen tâtonnement. Nous supposons une bon stratégie qui bien définie pour nous avancer. OK, nous avons plusieurs chantiers, nous voulons avancer sur eux, nous voulons travailler sur eux, mais qui ça qui priorité pour nous? Qui ça qui priorité dans tout chantier ça yo que nous gagnons devant nous yo? Dans tout chantier ça yo que nous gagnons, nous dit n'a travaille sur eux. Faut nous connait moment, c'est l'urgence. Et si c'est urgence, nous avons temps de devant nous, nous avons période de temps. Échéance faut que nous arriver respecter. Oui, faut bon timing pour nous respecter, mais timing non peuple là même li bon temps devant tout. Peuple pa gen luxe ça. Côté PM nan le carré les backup, tout côté a voyé backup pour li et moun gracier yo pa gen luxe ça. Moun gantier yo pa gen luxe ça. Moun quoi des bouquets yo pa gen el. Non, moun état bateau sel peigné ou frère yo pa gen el. Yo a souffri nan chair yo. Donc journée jodi li extrêmement important. Pour monsieur et dame yo nan pouvoir lever pied parce que yo pa ka di yo pa konnen kote yo t'ap rentre a oui son héritage que Ariel kite oui son héritage politique oui son héritage et qui pa rive vraiment qui pa nan intérêt population qui pa montre gen espoir pour situation résoudre si n pa fon coupe si n pa fon demi tour mais faut nous faire vite et faut nous faire bien. Donc il était extrêmement important pour nous te porter et tirer les ça pour nous te faire tirer les ça sous intervention et premier ministre Gary Conil. Donc compatriotes haïtiens frères et sœurs, c'est là n'a mettez un bout dans l'émission pour aujourd'hui, c'est un véritable plaisir pour nous te porter information sur la réponse, pour nous te faire un petit bas de bouche sous situation difficile que n'a que compatriotes nous que n'a vivre de pays nous, c'est pas comme ça pays nous était, c'est pas comme ça n'ta rien mais pays nous était, mais malheureusement si pas gain rien qui fait et très bientôt parce que deux ans et 7 février 2026 et c'est pas un bagage qui lointain avant badjo là ni a fini sous nous et faut que nous connaissons véritablement qui côté nèg yo vle mené pays et qui ça nèg yo yo paré pour yo faire pour retirer Haïti pour retirer peuple haïtien dans situation vulnérable et difficile que nous trouvons nous aujourd'hui. C'est là n'a mettre en bout dans émission pour aujourd'hui et c'est un véritable plaisir pour nous te porter information yo pour vous et restez connecté à channel là rendez-vous en casser dans l'autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la valet pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick l'en même.